Bonjour, Steve Gosselin pour Chasse Québec Hunting. Aujourd'hui, je vous présente le Story 725 de Browning. Depuis sa sortie de l'usine de Mirecou en 1973, le 725 est la version du Story qui présente les innovations techniques les plus avancées. Je vous présente quelques-unes parmi les plus intéressantes. Le matériel de cette deuxième génération de ce coussin diminue davantage le recul. Après la mise à feu, le coussin se déforme, dirige la crosse vers le bas pour minimiser l'impact sur la joue et facilite l'acquisition sur un deuxième objectif. Le profil bas du nouveau boîtier a un alignement plus naturel et devient l'extension de votre corps. Il permet aussi un meilleur contrôle sur le recul de l'arme tout en diminuant le relèvement du canon. Contrairement à la détente par inertie du modèle précédent, ce système de détente vous assure un deuxième départ sans l'assistance de l'énergie du recul. Le coup est franc et la course est plus courte. Les nouveaux étrangleurs sont munis d'une bague qui scelle et empêche les gaz de s'infiltrer entre la paroi du canon et de celle de l'étrangleur. Ils demeurent faciles à enlever même après une session de tir intensif ou lors de conditions de chasse difficiles. L'étrangleur est maintenant plus long, permet un passage plus progressif de la grenaille et donne un praton plus régulier.